Salut les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo de Street Fighter V, combat d'arcade. Et cette fois-ci avec Birdy, on se retrouve après l'introduction. C'est parti, let's go! Le premier combat contre Rachid, ça m'étonne pas. C'est très souvent contre lui qu'on tombe au début, hein. Donc c'est pas surprenant quoi. Round 1. Fight. Ok. Oh le coup de boule. Oh le coup de boule. Arrête de sauter. Birdy, il est lent. Round 2. Alors le prochain, eh ben on va aller voir Laura. Round 1. Fight! Oh, c'est beau ça! Tu vas te détendre! Round 2. Oh là là, Birdy, il est ouf. Oh, c'est quoi qu'elle m'a fait là? Oh non! Oh la vache! L'autre il a fait de la corde à sauter avec la nana! Génial!
Le prochain combat, Ibuki. Round 1. Fight. Alors Ibuki, elle est très rapide. Voilà, la preuve. Oh là là, ça sent le chaos. Ah ouais, elle m'envoie des sacrés coups. Hein. Ah oui. Ah bah oui, bah forcément. Ouais. C'est la belle, t'as raison. Ouais. Putain. Ah ouais, d'accord. Bon bah là ça pue, hein. Vas-y, putain, tape là, merde. Putain, ça s'est joué de peu, hein. Final round. Fight. Oh la... Oh, putain. Ah ça y est, ça va commencer à me saouler ce jeu aussi. Ah ouais, allez, ta gueule. Putain. Ah oh, si au troisième combat je commence à perdre, les amis. Il est lent, Birdy. Il fait mal, mais il est lent. Round 1. Fight. Putain, mais j'ai beau me protéger, hein. Arrête de sauter, putain! Merde à la fin! Ouais,
fais pas le malin, hein, Birdie. Hein. Oh là 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 là, j'en ai ras le bol. Dégage. Dégage. Merde à la fin. You win. Nekali, c'est parti. Heureusement que j'ai réussi à lui mettre cher au début de combat parce que s'il commence à s'énerver, Nitali, je suis mort. Hein. Me demandez pas comment j'ai fait pour la boule de chewing-gum là. Alors, prochain combat, Camille. Ah ouais, contre Bison, ça va être l'horreur. Allez, bouh. Oh, dommage! Wouhou! Oh, ce coup de boule! You win! Niveau bonus! Ready!
là vous avez compris, je spam hein. T'assois, bâtard, putain. Ah bah d'accord, génial. Alors, Urien, ouais, Urien, ouais. Urien, on le voit pas souvent. Putain, on est qu'au niveau 6. On est qu'au 6ème combat. J'ai connu des combats plus expéditifs. Round 1. Fight. Allez, bats-toi là. Si tu te bats pas, Urien, tu vas te manger un perfect, hein. Bah oui. C'est sûr, mon grand. Round 2. Je sais pas pourquoi il a pas bougé. You win. Il bougeait pas, il m'attaquait pas. Poison, on la voit pas souvent non plus, elle. USA. Ah bah là elle tape hein. Oh. Elle tape bien même. Ouais, y'a pas de mots là. Vas-y, casse-toi avec ton putain de fouet là. Putain. Mais nique ta mère! Je peux pas attaquer, ouais! Je peux pas attaquer! Je ne peux pas! Clairement! Le temps que Birdie il fasse ses attaques, l'autre elle m'a déjà envoyé 3 coups de fouet! Gros porc! Putain. Ah, ça change d'Urien qui a rien foutu lors du combat précédent. Vache. Petit bout de sa chaîne, quoi.
Round one. Fight. Oh oh oh, elle va. Je peux rien faire, les amis. Je ne peux strictement rien faire. C'est un truc de ouf. Putain, hein, je vais te le faire bouffer, ton putain de fouet. Putain! Dégage! Putain! Reste tranquille, moi, je te dis. Dégage. C'est bon, quoi. Merde. You win. Ah, il y a des persos avec lesquels je vais en... Je vais en chier grave. Genre, Birdie... Birdie, c'est pas un personnage que j'affectionne, hein. Vraiment. Secret area. Round one. Fight. J'ai cru qu'elle allait commencer à se réveiller, elle. Oh, génial. Allez, dégage. J'ai hâte d'avoir fini là. Oh là là. You win. Hein? Comment ça se fait qu'on peut rencontrer M. Bison tout de suite? Bah, on va prendre Vega. Quitte à choisir. Mais alors, c'est qui qu'on va rencontrer avec Birdie à la fin? Parce que. M. Bison, on est censé le rencontrer. Ah, et on n'a pas eu la visite de G. Round 1. Fight. Oh, bah, avec Vega. Yeah.
Bah, je l'aurais trouvé plus résistant et plus chiant, tu vois. C'est pas maintenant qu'il faut te réveiller, mon pote. Oh oui, oh oui. Oh oh oh, oui. Oh, elle est belle. C'est génial. Je l'ai encastré dans le sol. C'est bon, ça. Ah. Ok, c'est Karine qu'on affronte à la fin, d'accord. D'accord, d'accord. Ok. Bah écoutez, on va voir ce que ça donne. Karine peut être impitoyable avec ses gens seulement aussi, donc... On avait déjà vu avec M. Bison que c'était Ryu qu'on affrontait à la fin. Donc, c'est cool. C'est cool, ça veut dire qu'on affronte pas tout le temps M. Bison, quoi. Je vais te montrer les fossés. Ah ouais, ces enchaînements, ils sont patates à elle. Ouais, tranquille. Merde. Oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo. Oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo. C'est sûr. C'était sûr et certain. Hein, je vais m'en... Je vais. Round 2. Là-bas. Allez, dégage. Ah bah génial. C'était tendu, hein. You win. C'était vraiment tendu, les amis. Hein. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a avec Birdie? Vache. Toutes mes excuses, je n'ai pas tout donné. Et si nous nous battions réellement? Karine Konzuki a décidé de passer aux choses sérieuses. Les problèmes de Birdie ne font que commencer. Ok, d'accord. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Encore désolé pour les grossièretés. Mon impulsivité fait que je m'emporte et
je deviens violent verbalement très rapidement. Pour les abonnés, n'oubliez pas de partager le lien de la chaîne. Pour les non-abonnés, je compte sur vous pour le faire, c'est gratuit. C'est l'histoire d'un clic. La prochaine fois qu'on se retrouve sur Street Fighter V, ça sera justement avec Karine. Prenez soin de vous, salut salut les amis!